Bonjour! Comment allez-vous chez vous? Qu'est-ce qu'il y a en casa? J'imagine que depuis que vous pouvez sortir, vous êtes très content. Me imagino que desde que puedes salir a la calle, estáis más que contentos. Alors aujourd'hui, c'est la dernière session des comptes en famille. Et j'espère qu'en septembre, on pourra se voir à la bibliothèque. Hoy último. Última sección, perdón, de los cuentos en familia. Y espero que en septiembre lo podremos hacer en la biblioteca. ¿Vous êtes prêts? A ver. ¡Oui! ¿Cómo decís? ¡Oui! Allez, on commence. Le premier conte, je suis sûre que vous le connaissez. Estoy segura que lo conocéis. La chenille qui fait des trous. Oui. ¿A que lo conocéis en español? ¿Y me vais a ayudar? ¿A que sí? ¿Oui? Allez, on y va. Il était une fois une petite chenille. Oh, regardez, qui est née sur une énorme feuille. Et cette chenille, le premier jour de la semaine, comment il s'appelle le premier día de la semana? Lundi, très bien. Elle se réveille, oh, et elle dit, j'ai faim, tengo hambre. Alors, comment j'ai dit? J'ai faim, j'ai faim. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a mangé? Un fruit. Un fruit, a ver si lo adivináis, una fruta, qui peut être de couleur jaune, mais aussi de couleur verte, mais aussi de couleur rouge. A ver, ya lo sabéis. Une pomme. Oui, une pomme. Vous connaissez la chanson? On va chanter la chanson de la pomme. Vous êtes prêts? Regardez, il faut avoir les deux mains comme ça. Oui? Vous êtes prêts? Un, deux, trois. Pomme de reinette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de reinette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Ah, que la connaissez ici? Elle est géniale, j'adore cette chanson. Vous l'avez sur YouTube si vous la connaissez pas. Un YouTube, yes, génial. Et alors? Elle a mangé en effet une pomme, une seule pomme. C'est délicieux. Et elle était très très fatiguée. Très bien. Et elle est allée dormir. Génial. Après lundi, le deux jours de la semaine, comment il s'appelle? Lundi, mardi. Très bien. Mardi, oh la chenille se réveille. Et qu'est-ce qu'elle dit? Tengo hambre, comme j'ai fait? J'ai faim. Très bien, j'ai faim! Et elle va manger un autre fruit, otra fruta, a ver si adivináis. C'est un fruit. Attends! C'est un fruit de couleur verte! Un fruit de couleur verte, vous avez deviné? La poire! Très bien! Sabes cuántas come? A ver cuántas? Un, deux! Deux poires! A ver, un. Deux. Ouh, elle a mal au ventre. Y a les doigts et la tripa. Et elle est très, très, très fatiguée. Très bien. Et elle va dormir. Génial. Alors, attention, troisième jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. Très bien, mercredi. Mercredi, la petite chenille, elle se réveille. Oh, j'ai bien dormi. Et attention, qu'est-ce qu'elle a? Elle a... Faim, oui, j'ai faim! J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim! Et elle va manger un autre fruit, otra fruta. A ver, son muchas frutas ya, hein? Attention, c'est un fruit qui est de couleur violet, ou alors ça peut être aussi de couleur jaune, et également de couleur rouge. Attention, a ver si lo conocéis. La prune, en français, la ciruela, la prune. C'est difficile à dire, hein? La prune, avec la prune. Très bien. Et attention, combien elle en mange? Un, deux, trois. Trois prunes. Attention, un, deux, trois. C'est délicieux, la prune. Et alors, au bout de trois, elle a très mal au ventre. La tripe, elle est donnée mucho. Ouh, j'ai mal au ventre. Et elle est très, très fatiguée. Alors, elle va dormir. Très bien. Attention, quatrième jour de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bravo, jeudi. Jeudi, elle se... Oh,
Oh, elle se réveille. Oh, j'ai bien dormi. Oh, que bien dormido. Et elle se dit comme d'habitude. Ouh là là, j'ai faim. Très bien. Oui, j'ai faim. Et qu'est-ce qu'elle va manger? Encore un fruit. Oh yeah, está muy bien, eh. Hay que desayunar fruta. Hay que seguir el ejemplo. Frutita por la mañana. Un fruit. Un fruit que j'adore. Me encanta mi esta fruta. Je l'adore. C'est un fruit. Oui, c'est un fruit de couleur rouge. Et en français, ça s'appelle la fraise. La fraise. C'est pas les faire l'espagnol. La fraise. Très bien, la fraise. Regardez combien il y en a de fraises. 1, 2, 3, 4. 4 fraises. Vous êtes prêts à manger les fraises? Les ayudais à comer là? 1, 2, 3, 4. C'est délicieux! Mais au bout de 4 fraises, la petite chenille, elle a mal au ventre. Oui, elle a mal au ventre. Et elle va dormir parce qu'elle est fatiguée. Ah, c'est pas fini, je continue. Attention, 5e jour de la semaine, vous êtes prêts? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Très bien, vendredi. Oh là là, vendredi. Elle se réveille. J'ai bien dormi. Et comme d'habitude, quand elle se réveille, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai faim. Et qu'elle va comer? Un fruit. Très bien. C'est un fruit de couleur... Oh, c'est facile. De couleur orange. Qu'est-ce que c'est si c'est un fruit de couleur orange? Mandarine. Ah ben non, c'est pas des mandarines. C'est des oranges. Naranjas. Orange. Et il y en a combien? Ayudas a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oranges. Allez, on est de la chenille à manger. L'ayudamos a comer las? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. C'est délicieux. Que s'encantan las naranjas. A mí me encantan también. Mais la pauvre petite chenille, elle avait très mal au ventre. Et elle était très fatiguée. Elle va dormir. Mira que bien, hein. Comer y dormir, que vida. Et attention, le 6e jour de la semaine, comment il s'appelle? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Très bien. Mon jour préféré de la semaine, el día que más me gusta la semana, samedi, sábado. Et vous savez, qu'est-ce qu'elle a fait de nouveau cette chenille en se réveillant? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée manger, oui, parce qu'elle a dit j'ai faim. Mais samedi, elle a pas mangé de fruits. Non. No se comió fruta. ¿Quieres saber lo que comió? Uy, menudo desayuno. Elle a mangé un gâteau au chocolat. C'est délicieux. Miam. Ouais, en français, une glace. La table. Une glace à la fraise. C'est délicieux. Miam. Ça, vous savez ce que c'est? Un cornichon, pépinillo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Du fromage. Très bien. Miam, c'est délicieux. Et ça, qu'est-ce que c'est? Du saucisson. Délicieux. Miam. Elle seguía teniendo hambre. Elle avait encore faim. Y siguió comiendo cosas no muy buenas para la salud. No, regardez. Une sucette. Miam. Un gâteau. Miam. Encore un saucisson. Miam. Une madeleine. Miam. Ah, por fin fruta. ¿Sabes cómo se llama esta fruta? La pastèque. Miam. Tanto comer. Mira, menudo, hein. Elle avait très très mal au ventre. Oui. Et elle est allée dormir. Voilà, mais alors là, elle était très fatiguée. Elle dormit. Et alors, le dernier jour de la semaine, elle se réveille. Elle se réveille et dit,
no tenía mucho hambre. ¿Y sabes qué decidió comer? Porque cuando uno le duele un poco la tripa de tanto comer, eh bien, a manger. Ah, el último día de la semana. Perdón, se me olvidó decir el último día de la semana. ¿Cómo se espera? A ver. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Très bien, le dernier jour de la semaine, dimanche, domingo, elle est allée manger une énorme feuille. Miam, 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 miam. Si, les chenilles, elles adorent les feuilles. Miam, 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 miam. Et comme elle était un peu fatiguée, elle est allée se reposer. Elle était, regardez comme elle était, énorme tellement elle a mangé. Énorme elle est tanto comme elle. Énorme, 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 énorme tellement elle a mangé. Et alors, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise dans un cocon. Eh oui, elle s'est mise dans un cocon. Et après quelques jours, después de un ange d'hier, se despertó. ¿Quieres ver cómo se despertó? ¿A qué lo sabes ya algunos? Elle se réveilla en un animal. Un animal qui commence par le P. Un animal qui empieza por la P. Un papillon. Un papillon. Papillon. Un papillon de toutes les couleurs. Oh là là, il est très joli. Qué bonito, ¿a que sí? Un papillon. Oye, on chante la chanson de papillon. Estoy segura que la conocéis. Attends. À 3, 1, 2, 3. Vole, 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 le papillon. Au-dessus de mon village. Vole, 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 le papillon. Au-dessus de ma maison. Génial, la kangourou. Ouais, génial. Et trotte, trotte, la souris. Mon histoire est finie. J'espère que vous avez aimé. ¿Os ha gustado este cuento? Sí. Oui, en français, oui. Très bien. ¿Estáis preparados para otro? Oui. ¿Y cómo on dit pour en avoir un autre? On dit un autre, un autre, un autre, un autre. Très bien. Alors, pour le deuxième conte, je vous rappelle comment il faut être. Les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouverts, la bouche fermée, les bras croisés et les petites fesses assises aussi. Y sentadito mejor. Alors, le deuxième conte que je vous ai amené, oui, 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 este me encanta, je vous divertido. ¿Estás preparados? La petite taupe qui voulait savoir qui c'est qui lui avait fait caca sur la tête. Del topo que quería saber quién le había hecho caca encima de la cabeza. Oui, 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 este cuento. No, c'est pas Hugo qui lui a fait caca sur la tête. A ver, a ver. Vous êtes prêts? Oui? Oui. Il était une fois une petite taupe. Cette petite taupe, comme tous les soirs pour la noche, elle sort de son terrier pour regarder s'il y a plus de soleil. A ver si se había ido el sol, porque estos viven de noche, no les gusta el sol. Et pour voir si elle pouvait aller promener, a ver si podía dar un paseo. Mais d'un seul coup, de repente, catastrophe. A ver cómo lo decís. Catastrophe. Splouf. Une énorme. Caca. Un énorme caca marron. Le caca. Un énorme caca marron qui sentait mauvais. Bouah, pestaba. Bouah. Elle dit. Bouah. C'est dégoûtant. Qué asco. C'est dégoûtant. Avec comment le décis? C'est dégoûtant. Mais qui c'est qui m'a fait caca sur la tête? Qui m'a hecho caca encima? Oui, amen, amen. Et elle décide d'aller faire des recherches. Amen, décide d'investiguer. A bien qui l'a hecho caca en la cabeza. Le premier animal, c'est un pigeon. Elle lui dit. A vous, confiez ça. Avec comment le décis? A vous, confiez ça. A vous, c'est toi qui m'a fait caca sur la tête. C'est toi qui m'a fait caca sur la tête. Et le pigeon. Pff, n'importe quoi. Vaya tonteria. Il fait n'importe quoi. Il dit, regarde comment je fais caca. Mira como hago caca. Et je flash. Un énorme caca tout blanc tombe sur les pieds de la petite taupe. Et la taupe,
Brr, c'est dégoûtant. Avec comment le fils? Brr, c'est dégoûtant. Il pense, menos mal que non m'a hecho caca encima, parce que vamos. Heureusement que ce n'est pas lui. Alors, elle continua ses recherches. Et elle trouva un autre animal. Comment il s'appelle cet animal? Le cheval. Cheval. Très bien, le cheval. Et lui dit, toi, cheval, à vous. Confiesa. Pourquoi est-ce que moi j'ai dit confiesa? À vous. C'est toi qui m'as fait caca sur la tête. Et le cheval. N'importe quoi. Vaya tonteria. N'importe quoi. Moi, le cheval, je fais pas caca comme ça. Moi, je fais comme ça. Et pouf, pouf, pouf. Cinq énormes crottins. Cinq énormes tombèrent. Et la top. Brr, c'est dégoûtant. A ver. Brr, c'est dégoûtant. Menos mal que no se m'a caído esto encima. Heureusement qu'il ne m'a pas fait caca sur la tête. Alors elle continue à chercher. Sigue investigando. A ver, a ver. Et elle trouva un lapin. Oui, très bien, un lapin. Elle lui dit, à vous, lapin, confiesa, à vous. C'est toi qui m'as fait caca sur la tête. Et le lapin, n'importe quoi. Vaya tonteria. N'importe quoi. Moi, le lapin, je fais caca comme ça. Et... Todo esto, mira. Quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Et la pauvre top, elle dit... C'est dégoûtant. Pero cuánto, cuánta caca, por favor. Heureusement qu'il ne m'a pas fait caca sur la tête. Menos mal que no me hizo en la cabeza. Quelle horreur. Et elle continue à chercher. Elle rencontra un autre animal. C'est quel animal celui-là? La chèvre. Très bien, la chèvre. Et dit, toi, la chèvre, à vous. C'est toi qui m'as fait caca sur la tête. Et la chèvre. N'importe quoi. N'importe quoi. Moi, la chèvre, je fais caca comme ça. Et jing, jang, jing, jang, jing, jang, jing, jang. Ouh! Il dit, quelle horreur! C'est dégoûtant, Berg, c'est dégoûtant. Mais non, je manque de mettre la cabeza. Non, 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 non. Ouh, quelle horreur! Quelle horreur! Ah, j'espère que la cabra vient. Et rencontre en effet une vache. Mmh. Attention, comment elle fait la vache française? Mmh. Mou, non, mou, c'est en Espagne, la vache espagnole qui est en medio, touloulou, touloula. La vache française, mou, que ma bonita, oui, si, mou. Et elle dit, hé, hey, toi, la vache, c'est toi qui m'as fait caca sur la tête. Et la vache, elle le regarde, n'importe quoi, vaya tonteria, n'importe quoi. Moi, la vache, je fais caca comme ça. Splash, une énorme bouse. Tomba par terre. Et la top, elle dit, c'est dégoûtant. Heureusement qu'il ne m'a pas fait caca sur la tête. Menos mal que no me hizo encima de la cabeza. Porque vamos, que caca más asquerosa. Et rencontra... C'est quel animal, ça? Oui, un cochon. Très bien, cochon. Allez, à vous, confiez ça. C'est toi qui m'as fait caca sur la tête. Et le cochon. N'importe quoi. Avec comme le défis, n'importe quoi. Moi, le cochon, je fais pas caca comme ça. Moi, je fais caca comme ça. Pouf, il jette un énorme caca. Voilà ça. Et là, la cosa más horrible qu'avait au lit en su vida. Voilà, quelle horreur, quelle horreur. Mais que ça pue, que peste. Ça pue, ça pue. Il dit, c'est dégoûtant. Il se va corriendo. Il s'en va en courant, en courant, en courant. Heureusement qu'il m'a pas fait caca sur la tête. Mais non, je manquais non, mais il faut. Oh là, elle en avait marre, cette top. Elle ne savait que penser. Alors, elle trouva deux mouches. Deux petites mouches. Et elle va les voir. Elle leur dit, et vous, les mouches? Vosotras, las moscas, que vais mucho por las cacas por ahí. Qui c'est qui m'a fait caca sur la tête? Et les mouches, elles allèrent sur la tête. Ça va sentir. Il y a pas de doute. No hay ninguna duda. C'est un chien. Est-ce un perro qui t'a fait caca sur le chien? Oh, la top, elle était très fâchée.
Oh, c'est lui. C'est lui qui m'a fait caca sur la tête. Jean-Henri. C'est Yama Jean-Henri, le chien. Non, non, répond père. Jean-Henri. Oh, le vilain chien. Et vous savez ce qu'elle décida de faire, la taupe? Savez ce qu'elle décidit de faire, la taupe? Vengarse. Comment? Comment s'il va vengar? Vous avez une idée? Tenez une idée pour vengarse? Que no es muy bonito vengarse, no hay que vengarse, que eso es muy malo, pero la pobre topo sí que se quería vengar. ¿Alguna idea? Pues mira lo que hizo. Elle décida de monter sur la niche du chien, se subió encima, y ¿qué hizo? ¡Caca sur la tête du chien! Une minuscule, minuscule, minuscule crotte sur la tête du chien. Una caca minúscula por el topo, claro, es pequeño. Y ¡pum! Sur la tête du chien. Et là, la taupe, elle était contente. Elle était très contente parce qu'elle savait bien. Elle était très contente, contente, contente. Et elle est rentrée dans sa maison pour aller dormir tranquille car justice était faite. Et trotte, trotte, la souris, mon histoire est finie. J'espère que personne ne vous fera caca sur la tête ni que vous ferez caca sur la tête à quelqu'un, hein. Espero que nadie os haga caca encima ni que vosotros hagas caca encima de alguien, eh. Ni a Hugo ni a personne. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. A veces, ¿os acordáis cómo se dice confiesa? Se dice a vous. Très bien. ¿Y cómo se dice vaya tontería? N'importe quoi. Très bien. Os lo preguntaré en septiembre si venís a verme, hein. Vale. ¿Os acordáis? Attends, vous avez aimé l'histoire? Oui? Pues ahora, si quieres el último cuento que hay que decir... Un autre! Venga, último cuento! Oui! Vous avez toujours les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouvertes, la bouche fermée, les bras croisés. Oui? Alors, c'est parti. Celui-là, vous le connaissez aussi. Je te segura que le connaissez también. Es de mis cuentos preferidos. Oui, c'est mon cuento préféré. Si, si, si. D'ailleurs, de hecho, lo tengo en español, pero lo voy a contar en francés. Devine combien je t'aime. Cuánto te quiero. Oh là là, qué cuento más bonito. Vous êtes prêts? Oui? Allez, on est parti. Il était une fois un petit lapin marron, avec sa maman lapin. Le petit lapin, il tenait très fort les oreilles de sa maman. Muy fuerte las orejas ahí. Parce qu'il voulait lui poser une question très importante. Porque le quería hacer una pregunta muy importante, ¿sí? Il lui dit, maman, maman, devine combien je t'aime. Ouh, sa maman a dit... C'est difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est difficile de contester à cette question? Elle dit, je sais pas, non, je sais, non, je sais. Alors, le petit lapin lui dit, moi, je t'aime comme ça. Et il ouvre les bras, ouvrez. Venga, abrid, abrid los brazos. À droite, à gauche, les bras grands ouverts. Un, deux, trois, comme ça. Avec comment on l'a fait? Comme ça! Très bien! Regardez, il ouvre les bras, mais alors, énorme, énorme les bras! Waouh! Elle dit sa maman, tu m'aimes beaucoup! Et regarde-moi, lui fait, Miradio! Attention, et qu'abri otra vez, à 3, 1, 2, 3, comme ça! Ouais? Comme ça! Voilà! Énorme les bras de sa maman! Se dit le lapin, oh, que brazos más grandes tiene mi mami, sí que me quiere mucho, 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 oh là là, cuánto, cuánto, cuánto. Alors le lapin il réfléchit, pensó, cómo enseñarle que le quería mucho y, eh bien je t'aime, esta vez les bras en haut, oh, très bien, vous êtes prêts? Hay que decir comme ça, así, eh? Comme ça significa así. A la de tres, levantamos los brazos arriba, en haut, en haut, en haut, et on dit comme ça, vous êtes prêts? Un, deux, trois, comme ça! Allez, je t'aime, comment dire te quiero? Je t'aime, oui, je t'aime, que je mange bonito en français, hein. Je t'aime, comme ça! Allez, un, deux, trois, comme ça! Très bien! Moi aussi je t'aime fort, comme ça! Très bien! Et sa maman, elle dit, ah ben moi aussi. Et regardez comment elle fait sa maman, avec les bras, la même chose. Un, deux, trois, comme ça. Avec le moins arriba possible. Mira, mira, mira.
Wow! Oh là là, le lapin, le petit lapin pequeño, il fait oh, si que me quiere mucho porque que alto sus brazos! Oh là 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 là, très haut, très haut, très haut! Alors il réfléchit, pensó una otra manera de enseñarle como le quería mucho, mucho, mucho. A ver, ¿tenés alguna idea? Ça c'est difficile. No sé si lo podéis hacer. Yo no, que yo ya soy muy vieja para esto. Pero vosotros seguro que sí, mira. Y me. Les deux mains par terre et les jambes en haut. Las dos manos en el suelo, las piernas arriba. ¿Ves? Como yo incapaz, yo estoy segura que vosotros sí, pero yo... Pff, impossible, impossible, je suis trop vieille. Il dit comme ça, du bout de mes mains jusqu'au bout de mes pieds. De la punta de mis manos hasta la punta de los dedos de mis pies. ¡Wow! Sa maman, elle était impressionnée. Pero también hizo, pues yo te quiero así, mira, comme ça. Elle lanza, loin, 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 loin. Oh là, le petit lapin, il était très impressionné, flippant, hein. Wow, comme elle m'aime, ma maman, mais c'est énorme, 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 énorme. Alors il réfléchit, pensó otra idea para enseñarle cuánto le quería. ¿Sabes qué hizo? Il saute. Oui, parce que les lapins, los conejos, ils sautent, 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 sautent. Vous êtes prêts à sauter? Estáis listos para saltar en casa? Oui? À la de tres. Un, spang. Deux, saute. Trois, saute. Quatre, saute. Cinq, saute. Six, saute. Sept, saute. Bravo! Estoy segura que estáis muy cansados. A ver, salta muy alto. Très haut, très haut, très haut. Siete veces. A ver, hay que contar. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 saltos. Génial. Et vous savez ce qu'elle a fait, sa maman? Savez ce qu'elle a fait, la maman? Elle a sauté, 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 salto, 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 salto. Tellement haut, tan arriba, que ses oreilles ont presque touché l'arbre. Que casi tocan el arbre sus orejas. Si, si. Tellement haut que ses pauvres petites oreilles, elles touchent presque l'arbre. Ouais, c'est super haut, hein. En casa, probad a ver hasta dónde podéis saltar de arriba. Alors, elle réfléchit, le petit lapin, il réfléchit pour savoir jusqu'où. Et il dit, oh, il a une idée. Alba, il a une idée, il dit, oui, je t'aime jusqu'au bout du chemin. Alba, s'il te plaît. Il faut avoir peut-être un silence pour écouter, sinon les enfants, ils n'entendent pas. On a la bouche fermée. Oui, oui, à la maison aussi, la bouche fermée. Il voit le chemin, oh là 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 là, il dit, je t'aime, te quiero, jusqu'au bout du chemin et encore plus loin. Oh là, et la maman, sabes que contestó la maman? Pues moi je t'aime jusqu'à derrière les montagnes, detrás de las colinas. Waouh, ben dis donc, c'est impossible de battre ce record. C'est impossible qu'elle mange, non? Oh, le lapin, il était très haut, très, très fatigué. Il se frotte les yeux. Se frotta los ojitos. A que os frotas a veces los ojitos cuando tenés sueño. Sí, yo también. Toi aussi, ouais. Il se frotte les yeux comme ça, frotte les yeux. Oh, je suis fatigué. Et oh là là. Et il pouvait plus penser. Ya no podía pensar de cómo enseñarle a su mamá cuánto le quería. Alors, il alla dans les bras de sa maman. Elle lui prend dans les bras. Et sa maman, elle le coucha dans l'herbe. Regardez. Elle le prend dans ses bras. Elle lui dit, le petit lapin, avant de s'endormir, en tête de dormir, il dit, oh, je t'aime jusqu'à la lune. Hasta la luna. Que lejos, ¿verdad? Buah, jusqu'à la lune. Ah oui, alors ça, c'est très, 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 très loin. Et sa maman, elle le coucha, son petit lapin, dans l'herbe. Il savait ce qu'elle dit. Eh bien, moi, je t'aime jusqu'à la lune et plus loin encore. Ou jusqu'à l'infini et plus encore. Hasta el infinito y más allá. Bueno, bueno, eso sí que es mucho querer. Yo estoy segura que a vuestros papás, mamás, amigos, hermanos, familia, los queréis hasta el infinito y más allá. Yo os quiero, vamos, je vous aime jusqu'à l'infini et plus encore. Espero que tengáis unos muy felices días, que ya sabes que no vais a volver al cole, así que aprovechad para estudiar mucho en casa, para hacer muchas manualidades, para escuchar muchas canciones, cuentos en francés y nos vemos en septiembre en la biblioteca. Cuidaros mucho, prenez bien soin de vous. Mira, Alba os dice adiós, elle vient vous dire au revoir.
Au revoir. A bientôt. Hasta pronto. Hasta luego. Ah, mira, si te cansas, puedes parar los vídeos y volver a poner los que están grabados. Au revoir. Au revoir. Mamá.